Nazywam się Valerian Borowczyk. Jestem nieżyjącym. Je m'appelle Valerian Borowczyk. Je suis un cinéaste mort et polonais. Całe życie byłem zamknięty w pudle. J'ai vécu toute ma vie enfermé dans une boîte trouée. Tout a commencé en Pologne un peu avant ma naissance. Lorsque mon père a rencontré ma mère, elle jouait avec sa sœur à son jeu favori. Le jeu des anges. Le jeu consiste à se laisser un peu mourir pour apercevoir les pieds des anges ou leur cul si on a un peu de chance. Mon père était une force de la nature, mais il savait contenir sa bestialité et la transformer en poésie sucrée. Pour séduire ma mère, mon père fusionna avec la nature. Oh,
Entre ma mère et mon père, le coup de foudre fut immédiat. Il lui dit à l'oreille, « Viens, papillon, viens goûter à mes fleurs. » Elle s'abandonna sans retenue. On peut dire que je suis née de la rencontre fortuite d'une fleur et d'un papillon. Lorsque ma mère fut grosse, on organisa des noces discrètes. Mon grand-père pleura de joie. Le cœur de mon père s'envola dans un cri sans fin. Le jour des noces, ma mère fut victime d'une chute malencontreuse. Elle tomba de sa chaise à la fin du repas. Je garde un souvenir précis de cette chute, celle d'une valse sans fin avec ma mère. Je suis née à l'improviste, sans crier gare.
Malgré tout, j'étais le portrait craché de mon père. Il fallait se rendre à l'évidence. Je n'étais pas ce qu'on appelle un bébé rond et joufflu. À peine libéré du ventre de ma mère, je me retrouvais enfermée dans mon propre corps. Conscience que j'étais enfermée dans un corps qui lui-même était enfermé dans une maison, elle-même enfermée dans un pays. J'ai grandi à l'ombre des pommiers tout près des rails. Quand j'ai commencé à marcher, mon grand-père ne pouvait plus bouger. Alors il me montrait les fumées des trains et il pleurait. Ses larmes étaient salées avec un parfum de rose fumée. Mon père m'amenait souvent avec lui lors de ses excursions dominicales. Il n'était pas bavard. Pendant le voyage, j'écoutais le frottement régulier de ses jambes. Quelquefois, il m'arrivait de l'entendre pisser tout en marchant. Faut pas perdre de temps, disait-il. Mon père adorait par-dessus tout observer les oiseaux, de toute taille, de toute couleur, avec ou sans plumes. Très vite, l'observation des oiseaux me procura un grand plaisir. Lors de mes retours de promenade, je dessinais des oiseaux sans leur habit. Ma mère s'étonna de mon talent pour dessiner les oiseaux sans leur habit.
À la fin des repas, mon père était souvent pris de migraine. Personne n'osait le déranger. Les trains, disait-il. Le jour où j'ai consolé Olga, j'ai compris l'étendue des possibilités que m'offrait mon corps cubique. J'ai aussi découvert ces êtres doux, compréhensifs, et plein d'orifices que sont les oiseaux. En explorant Olga, je me perdais. Et plus je me perdais, et plus elle aimait ça. Puis c'est elle que j'ai perdu de vue. Elle s'est envolée le jour où la guerre est arrivée, avec son cortège de malheur et de bruit. Après la guerre, étudiant, mon corps avait changé. J'étais libre. Dans un pays en ruine. Cet étudiant que j'ai cru apercevoir Olga au détour d'une rue. Ses habits étaient rouges, comme s'ils avaient contenu tout son sang. Tout autour d'elle, les murs pleuraient. Mon goût pour la littérature, la peinture, le graphisme m'avait donné des ailes. Mais une chute malheureuse m'obligea à garder le lit pour ne pas perdre la vue.
Et c'est inerte dans mon lit que j'ai pris la décision de faire du cinéma. Mon père m'offrit une caméra rudimentaire. Ce fut une révélation. Comme je ne pouvais pas sortir, j'ai d'abord voulu voir à l'intérieur des choses. C'est la mort qui me ramena chez mes parents. Quand mon grand-père mourut, je compris combien on était proches. J'aurais aimé goûter encore une fois à ses larmes, roses salées. La nuit de la veille funèbre, je vis ma mère s'envoler. Malgré les années, son corps était miraculeusement conservé. Son amant se tenait debout dans le champ, droit, raide, tendu comme un arc. Ma mère se posa sur la bête.
les pieds en équilibre sur son perchoir, elle fit brouter son amant. La pudeur me fit détourner le regard. Pour me lancer dans le cinéma, je me servis de Yann Lemontai et de ses relations. Ensemble, nous avons signé mes premiers films. Puis, nous nous brouillâmes. Aujourd'hui, j'ai rayé de ma mémoire ce cinéaste arriviste et sans talent. C'est à la même époque que j'ai rencontré Lydia, ma muse, mon oiseau, mon actrice. Mais par pudeur, je ne dirai rien sur elle. Je me souviens du jour où j'ai quitté la Pologne. Mon père m'accompagnait sur les rails du départ. Trop attristée, ma mère resta à la maison. Pour mon départ, mon père fit abattre le cheval. Avec les restes de l'animal, il fabriqua un costume. « Ce sera bien pour tes films », me disait-il. Je pensais à ma mère qui pleurait seule à la maison. Par souci d'économie, je voyageais dans un wagon de marchandises. C'est dans le train qui me menait à Paris que je fis la connaissance de celui qui allait devenir mon assistant. Poussiéreux de ma première expérience homosexuelle. À Paris, sans argent, je tournais mes premiers films image par image. Ce fut un succès et on me confia plus de pellicules. Je filmais des films de plus en plus longs, dirigeant des acteurs avec et sans costume. Je construisais les décors de mes mains, ne laissant rien au hasard.
Je voulais attendre la grâce. Tous les films que je tournais n'en font qu'un. Au début, la critique fut unanime. Puis, ce ne fut plus qu'un jet d'urine continu. On me reprocha ma pornographie, mon systématisme, mon accent polonais, ma prétention, mon mauvais caractère, mes obsessions, mon mauvais goût, mon maniérisme et ma violence gratuite. On qualifia certains de mes films de vulgaires. Je ne vois pas pourquoi. En France, je devins le spécialiste du film de plume, filmant en équipe réduite des films érotiques de plus en plus épurés. Je me fis vite un nom, qu'on oublia. Mon cinéma attrapa une maladie. Plus personne ne voulait le voir. Malgré tout, je suivais mon inspiration, sans savoir où ça me mènerait. Lorsque je suis retournée en Pologne, c'était en voiture. Ce fut la dernière fois que je vis mes parents. Il faisait nuit. On soufflait sur les braises en parlant du passé. Un vent chaud remplissait nos cœurs. Mes parents ne virent jamais mes films français.
C'était Valeriane Borovchik.